want to maybe debubble and refill, refill before. Yeah. This one? No, it stops this correctly. Yes. Wow! Great. How are you saying? Flickering? Flickering. Yeah. Claudie, tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'ai l'impression que ça fait 3 jours que tu es dans la cale avant. 3 jours et 3 jours des nuits. On a des petits soucis avec notre super appareil qui s'appelle le Flowcytobot, qui est un cytomètre pour le nano picotanton. Et donc après avoir changé l'ordinateur de bord, le disque dur, là on vient de rechanger la seringue automatique qui nous permet de faire d'injecter l'échantillon dans la cellule où on fait les mesures, la chambre de mesure, je veux dire plus exactement, parce que notre seringue précédente a cassé pour une raison inexpliquée, la nuit dernière bien sûr, alors que tout avait l'air de fonctionner à nouveau. Donc là c'est un petit peu le test final, parce qu'on a mis vraiment nos dernières pièces de rechange. Et on croise les doigts, c'est un équipement qui est très précieux, c'est une utilisation un peu hors du commun quand on en fait. Et puis non, on a vraiment des très belles données pendant les deux premiers mois. Donc il faut absolument, absolument que ça soit réparé. Vous êtes sur la bonne voie là, non? On y croit, oui. I think there still might be air in the cone. And the end of the cone.